assister à la fin de la guerre, c'est pas encore fini. Je me souviens que ma thèse sur mon sujet était la dimension de la place. Moi, j'étais un sorcier, mon père de l'histoire de l'heure pour les enfants et du petit VHS. À travers ce geste anodin, j'ai remarqué qu'elle parlait beaucoup de chansons, pas mal. Des fois, bon, elle pleurait aussi. Vous savez, à 5-6 ans, on ne dormait pas tout. Et bien sûr, ayant grandi, je le voyais en magasiné, ces vibrations, ces couleurs, ces sons, ces images dans ma tête, je me suis rendu compte qu'elle faisait que se confier à son instrument, probablement parce qu'elle ne devait pas avoir d'autre interlocuteur valable, en tout cas pour l'époque. Et ce qu'elle disait, enfin ce que j'en ai compris, quand la veuve s'échauffe, je voyais défiler le quotidien d'une femme, telle qu'elle existait à l'époque, avec la guerre d'un côté, la loi du monsieur de l'autre, elle était prise entre deux feux, elle n'avait peut-être pas les moyens de se réaliser et de réaliser les autres. Donc, j'ai appris une chose qui est simple à travers ce que j'ai vu dans ses postures, dans ses paroles. C'est que s'il n'est déjà pas évident d'être une femme en général dans n'importe quelle société, il ne faut pas se leurrer. Je commence à l'éteindre encore moins, c'est encore moins évident dans une société à forte tradition dans laquelle. Et on voulait pour voir cette dame qui était la maman. Voilà. Et donc, la voix ici. Et à ce titre, j'ai su qu'il n'était pas à moi cette chanson, mais qu'on l'a partagée tous ensemble, vu les relations spéciales que l'on a avec nos mères. Et là, je vous demande une chose qui est bien simple. Ça fait des années, vous avez fait de moi, mais je ne m'en lasse pas. Tellement, il y a un fond de vérité dans cette histoire. Donc, je peux vous demander une chose bien simple. Essayez d'avoir dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit, l'image lumineuse, précise de celle qui vous a donné la vie. Ou tout simplement de celle que vous aimez. Qu'est-ce qu'au nom de ce monde, je sais qu'elle sera jamais gardée dans vos cœurs. Si elles ne sont plus là, ma foi, comme dit Alain Gibran, essayons de retirer le meilleur de tout ce qu'on a vécu ensemble avec elle, en pensant à ces bons moments qu'on a tous passés ensemble. Quelque part. Dans le ciel de Dieu.
côté des autres, prêt à sortir de tout ce qu'ils ont de fantastique, de beau, émotionnel, et qui dans un énorme commun, en pensant à une seule et qui en jette les trois en haut, que la femme est là, que la femme est éternelle, et qu'elle reviendra. Salut. Thank you.